Où est-ce que j'ai atterri? Je ne suis pas du tout équipé pour survivre dans ce climat si froid. Je dois vite trouver une source de chaleur. Cet endroit n'est pas naturel. Cela veut dire qu'il y a d'autres formes de vie intelligentes capables de construire des choses ici? Ils pourront peut-être m'aider à réparer ma fusée? Mais c'est un foyer pour faire du feu! Est-ce que les habitants de cette planète sont des humains? Le feu est allumé. Ça veut dire que quelqu'un se trouvait ici il y a peu de temps. Je dois le trouver avant de mourir. Cela fait 2 jours que je suis tout seul dans la zone du sud. Je n'ai pas réussi à attraper un poisson. J'ai écoulé toute la nourriture que j'avais emmenée. Je remonte donc au nord. PS, faites attention en remontant la route. J'ai entendu plusieurs givre-dents rôder dans les parages ces derniers jours. Les givre-dents? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sûrement de la faune locale. Mais comment ils en parlent, je n'aimerais vraiment pas en rencontrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais ça n'a rien de rassurant. Heureusement qu'il reste la torche pour me réchauffer. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Des lampes en magnésium étaient éteintes dans les abris, ce n'est pas censé être possible. Ça voudrait dire qu'il y aurait soit un traître parmi nous, ou pire, que ce soit les givre-dents. J'ai laissé une tenue en peau d'animal pour le prochain qui passera ici. Elle te permettra de monter jusqu'à la zone nord, même si les campements de chaleur sont éteints. Qu'est-ce qui se passe ici? S'écraser sur la zone, ces derniers temps c'est récurrent. J'irai voir s'il me reste des rations de survie à l'intérieur. Je vais remontrer à Nord. D'abord, je dois trouver qui est celui qui éteint les torches. Oh.